sous la houlette de l'ambassadeur de la République d'Iran, son Excellence Mohammad Reza Maleki, arbitre entraîneur 6e dan, environ 200 pratiquants ont répondu présents à l'appel du président Mesut Patrice. L'expert iranien a essentiellement axé ce stage autour des techniques de combat et de préparation des équipes. Le Mazuki, Maleki, Jakuzuki, Shodan, Mawashiberi et Ashibarai, mettant l'accent sur les nouvelles règles du Wado Ryu à l'international. Il s'est par ailleurs félicité du niveau des athlètes ivoiriens. Aujourd'hui, je veux que parler pour la Fédération de Karaté. Félicitations. Très bon karatéka. Il y a beaucoup de karatéka pour le comité. Inch'Allah, Inch'Allah. Après, doucement, doucement, petit à petit, team international Côte d'Ivoire vient en haut pour number one Africa. Un stage riche pour les participants qui ont effectué le déplacement afin de s'instruire auprès du formateur du jour, Maître Mohammad Reza Maleki. La Fédération ivoirienne de karaté nous a fait venir un expert iranien qui a un très 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 bon niveau. Aujourd'hui, on a un expert iranien. On remercie la Fédération ivoirienne qui a tout fait pour que cet expert soit avec nous pendant des années. J'ai appris beaucoup de choses comme Maigeri, Mawashigeri, Shukorashi, Gedan Bare. Le président du Wado Ryu, Maître Mesut Patrice, a salué l'ensemble des participants qui ont répondu à l'appel de ce stage national. Je suis satisfait, c'est un grand nombre. Tu sais que le karaté, c'est une grande famille. C'est une famille où, quand il vient, surtout au niveau des enfants, vous avez vu, les enfants sont là, les parents ont laissé les enfants venir. Au niveau des grands, c'est bon. Maître Fanny Aboubakar, présent à cette rencontre, s'est dit satisfait du travail des associations qui rendent encore plus forte la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées.